Cette question à présent, doit-on tolérer les panneaux publicitaires dans nos montagnes? C'est l'interrogation soulevée par des amoureux des Alpes dans les Grisons. Ils lancent une pétition pour s'opposer à une centaine de panneaux installés sur des sommets par la banque cantonale grisonne. Ces panneaux métalliques sont munis d'un QR code. Ils incitent les randonneurs à se prendre en photo et à partager leurs impressions sur la montagne dans un livre numérique. Mais Delphine Gendre, pour les défenseurs de la nature, ce genre de pratique défigure les lieux. Des publicités au sommet des montagnes, non merci. C'est avec ce slogan que l'organisation de défense des Alpes Mountain Wilderness a lancé hier sa pétition en ligne. Son but, que la banque cantonale grisonne démantèle d'ici la fin de l'année les stèles situées dans les lieux les plus sauvages. Tim Marklowski, chef de projet. Pour nous, l'important, c'est que ces panneaux soient démontés le plus vite possible afin que ces sommets retrouvent leur aspect originel, sans infrastructure ni trace humaine. Alors, ce que l'ONG constate, c'est que la montagne devient de plus en plus prisée des publicitaires. L'objectif de la publicité, c'est souvent de se démarquer, ce qui est toujours plus difficile. En s'affichant près d'un sommet, une marque montre son côté novateur. Ajoutez à cela que le randonneur, l'alpiniste qui arrive au sommet après l'effort est dans un état émotionnel particulier, il est euphorique, je peux imaginer que c'est un état favorable pour accueillir un message publicitaire. Ich könnte mir vorstellen, dass die Werber das als guten Zustand sehen, um Werbung irgendwie aufzunehmen. Alors avec cette pétition, l'organisation espère envoyer un signal aux entreprises qui, dit-elle, abusent de la montagne à des fins marketing. Delphine Gendre, je vous remercie.